Louis Meissonnier, instituteur de village, a quitté son Aubrac natal avec Camille, sa femme, et leurs deux enfants, Laurent et Marie-Pauline, pour être nommé directeur de l'école de Corson dans le Poitou. Les lois sont les lois, monsieur le curé. J'enseigne leur respect aux enfants. Loin de là, Maria, la mère de Louis, vieillit doucement auprès de Paulin, son compagnon. Je t'en prie, presse un peu le mouvement, tu vas me mettre en retard. Si tu t'y étais pris plus tôt. Je change de chemise tous les samedis à 13h45. J'ai malheureusement oublié de prévoir qu'il manquerait encore un bouton. Ce qui t'énerve, c'est pas le bouton, c'est la question que te pose ta fille. Oh ben que nous pose notre fille. Et puis c'est vrai, là, j'ai du mal à comprendre. Enfile ta chemise, ça sera plus pratique. Mais t'es fait à l'idée. T'es raisonnable, mais... Bon, j'avais accepté l'idée qu'elle serait artiste. Oh. Je l'entends encore. À 7 ans. Je serai danseuse à l'opéra. À 9 ans. Je serai peintresse. À 12 ans. Je serai vitrière de vitraux. Même l'an passé encore, ou il y a 2 ans. Papa, je crois tellement que je devrais être musicienne. C'était il y a 3 ans. Oui, oh, je t'en prie, 2 ans, 3 ans. Toujours est-il que nous avons acheté le piano. Et aujourd'hui, bizarrement, mystérieusement, terminé l'artisterie. Elle t'admire, elle admire son frère. Elle veut faire comme vous, c'est tout. Eh bien alors très bien, l'école normale, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que cette lubie soudaine? Qu'est-ce que c'est que ce poste vacant pour lequel elle aurait soi-disant les diplômes requis? Malheureux certificat d'études et son pauvre brevet élémentaire. Tous les deux avec mention très bien. Ah, oh, décidément le monde va mal, tiens. Et qu'elle attend de sa majorité. Là, au moins, elle pourra décider de son sort en toute liberté. Nous sommes peut-être à la veille d'une crise internationale qui peut déclencher un cataclysme. Ça m'aurait étonné. À chaque fois que nous avons à discuter sérieusement, la guerre menace. Ah bah cette fois, en tout cas. Mais est-ce que tu connais un seul Serbe, toi, ou un seul Autrichien? Laisse-les s'arranger entre eux. Parlons plutôt de ta fille. Elle doit donner une réponse demain à la directrice. Et chez les sœurs? Ah, ça, c'est le bouquet, alors, chez les sœurs. Une école privée, tout simplement. Pourquoi tu dis chez les sœurs? Mais parce que c'est de notoriété publique, enfin, même sans cornette, on sait à quoi s'en tenir. Institution Sainte-Clotilde. Laisse-moi te boutonner. On ne peut pas discuter avec toi. La moindre contrariété te fait hurler. La moindre contrariété? Mais bon Dieu, tu appelles ça la moindre contrariété? Elle a 18 ans. Elle engage sa vie en passant à l'ennemi. L'ennemi? Si je te connaissais pas. Je ne mélange jamais foi et politique. Ah, mais tu vas me pincer, là. C'est pas l'envie qui me manque. Eh bien, c'est une assez bonne semaine, et je vous félicite tous, ou presque tous, il n'y a que 3 très mauvais carnets. Oui, j'en profite d'ailleurs pour signaler tout particulièrement à leur titulaire la phrase écrite au tableau par votre maître, n'essayez pas de signer à la place de votre père, c'est inutile. Quelqu'un vous voit, quelqu'un sait, et votre conscience ferait trembler votre main. Quoi que l'on fasse dans la vie, mes enfants, il faut avoir le courage d'en supporter les conséquences, quoi que l'on fasse, ou quoi que l'on ne fasse pas. Tu me comprends, Gilbert Pontin. Deux devoirs m'ont remis, les leçons non sues. Alors je veux voir tes parents. J'ai mis une notation pour eux. Tu dois te reprendre. Avant-dernier, mais presque ex-aequo, c'est un demi-point près, Nattier. Alors là, je ne comprends pas. Tu étais 8e au début de l'année, 13e à Pâques, et maintenant... Maintenant, il est temps que les vacances arrivent, hein. Tu n'as pas mal à la tête?
Tu vois bien en classe? Tu entends bien? Bon, je verrai tes parents, allez, va. Michel Rigoux. Ah, eh bien, toi, tu progresses. Dire qu'il s'agit d'un bon prodigieux, non, mais enfin, deux places. Et si tu voulais, 10 ou 15. Zéro en orthographe. Enfin, c'est pourtant pas compliqué, l'orthographe. Il faut de la mémoire, et tu en as. Connaître les règles et les respecter. Fils de gendarme qui respecte pas les règles, tu te rends compte? Allez, c'est fini. Descends dîner à l'heure. Puis boude plus. Puis sois pas agressif non plus. C'est très bien que le samedi est un jour épuisant pour papa. Il s'énerve à faire toutes les classes. Puis le journal qui n'est pas bon. Tout ça. Allez, travaille un peu. Faire ton piano. Non, je vais plutôt faire un peu de latin. Que le piano. Je vois. D'accord. Tu étais malheureuse aussi à mon âge? Malheureuse, je ne sais pas. Empoisonnante, sûrement. Voici donc 4 billets de satisfaction pour chacun de vous, ce qui vous fait 4 fois 5... 20 centimes. Ah, mais tu en as déjà un petit paquet, toi. Oui, monsieur le directeur, j'ai un franc. Ah, mais alors donne. Voilà ce qui arrive aux bons élèves, ils peuvent même aider leurs parents. Oh, madame Meissonnier! Oui? Un télégramme pour monsieur le directeur. Sans l'asiatique, je vous l'aurais monté. Qu'est-ce qui se passe, c'est Laurent? Il est arrivé quelque chose à Laurent? Mais non, c'est Mémé Messot. C'est ta mère. Elle a demandé à boire. Elle s'est assise, toute blanche. Elle m'a souri. Et puis... Il n'y avait pas eu de signe précurseur. À savoir quels sont les signes. Un peu avant Noël, il a eu mal dans le bras. Et une nuit, une grande douleur dans la poitrine. Ça lui a passé. On ne vous a pas écrit pour ne pas vous mettre Martel en tête. C'est bien que tu sois venu. En ce moment, ça doit être compliqué, les permissions. Ouais, tu sais, moi, avec ou sans, je serais venu. Ça ne changera rien pour elle. Mais pour moi, je t'en remercie. Et qui l'a soigné? Personne. Ça a été si rapide. De toute manière, elle n'aurait pas voulu le docteur. Trop jeune. Merleroux, trop jeune. Oh, Merleroux. Il a passé la main, Merleroux. C'est un fils souk qui a repris la clientèle. Un gamin. Christophe Souk. C'est ça. Christophe Souk. Je l'ai eu comme élève. Son père voulait en faire un paysan comme lui. Il voilà docteur. Vous avez sûrement une petite soif. Elle était jolie au fond, Mémé Messot. Bona voluntat et tua si. Tout édificant nous Paulin n'est-il pas à côté de papa? Il
Ils n'étaient pas mariés. Comment? Tu savais pas? Non. Qu'est-ce que ça change? Pour le curé. Ça change qu'il n'est pas le veuf. Et erexit cor nous salutis nobis, in domo David pueris. Tu as vu Jacques ces temps-ci? Comment veux-tu? Lui à Versailles, moi à Metz. Je ne sais pas. Les manœuvres entre soldats. Moi, il m'a écrit cette semaine. Il croit que nous allons avoir la guerre. Il a toujours été optimiste. Optimiste? Pourquoi dis-tu ça? Dans 2 mois, je dois être démobilisé. La guerre sera finie, je l'aurai faite. C'est vrai. Jacques aussi sera démobilisé. Je vais le rejoindre d'ici là. Je vais vivre à Versailles, papa est d'accord. Vous pouvez pas vous taire un petit peu? Requiem aeternam donai domine, et lux perpetua luceat ei. Tu veux venir avec nous? Personne n'aurait pu la comprendre mieux. Personne l'aurait rendue plus heureuse. Tu verras, c'est un beau pays. Moins que le nôtre, mais... Il y a des oiseaux. C'est assez près de la mer. Puis mon école. Tu photographieras les enfants. J'en ai plus de 200. Il est difficile de se faire une idée précise. Hier, les Russes renonçaient à la mobilisation générale. Aujourd'hui, il semble qu'il l'ait décrété. Mais les Anglais demandent à Berlin de calmer Vienne. Les forces de paix l'emporteront. Et l'Alsace-Lorraine? T'abandonnerais l'occasion de... Nous ne sommes plus des barbares. La diplomatie devrait régler le problème sans effusion de sang. Si je me plais à Poitiers, je ferai venir le corps. Vous vous plairez. Je suis certaine que vous vous plairez. Ça vous changera les idées? Je n'en ai aucune envie. J'ai vécu 30 ans auprès de la meilleure femme qui soit. Pourquoi voudriez-vous que... Tu disais que la mer est près de chez toi? Près de chez nous, pas vraiment, mais on y est en 3 heures. Il y a tellement d'années que
J'ai pas vu la mer. Depuis mon retour de Londres en 80. L'année suivante, j'arrivais ici. Ce serait mieux qu'on la laisse tranquille. Sous l'arc, c'est chez elle. Ce sera moi que vous ferez revenir de Poitiers quand j'aurai avalé mon bulletin de naissance. Je ferai aussi bien de rester d'ailleurs, au lieu d'aller vous empoisonner. Mais ne dites donc pas de bêtises. Le taxi est arrivé. Notre train est dans une heure. Enfin, s'il part, il paraît qu'il y a des cheminots qui refusent d'appeler les trains de soldats. D'autres veulent leur taper dessus. Non, les Versaillais sont partout. C'est la majorité. Vous aurez la guerre, mes enfants. Qu'ont-ils de spécial, les Versaillais? Ah, c'est une image. Je t'expliquerai. Et vous ne pensez pas que Jaurès peut encore arrêter le mouvement des choses? Pourquoi l'arrêter? Il faudra bien en finir un jour. J'attends ça depuis plus de 40 ans. Ici, on ignore tout. La guerre est peut-être déjà commencée, si ça se trouve. Est-ce qu'on a bien fermé le volet de derrière? Mais oui, c'est moi qui l'ai tiré. Vous m'avez même demandé de mettre un petit fil de fer. Oui, s'il venait un voleur, c'est par là qu'il essaierait d'entrer. Et pour voler quoi? Nous avons emporté tout ce qui avait quelque prix. Et donc le voleur n'en sait rien? Tom, la petite, tu as vu la nouvelle? Jaurès? Ils l'ont pas raté ce soir. Qu'est-ce que vous avez dit? Jaurès est mort? Pam! Ils l'ont eu. Et je vais partir, moi. Bien, cette fois, nous y sommes. Voilà ce dont il s'agit. On me dit que vous êtes instituteur de métier, vous savez donc lire une carte. Bien, vous allez prendre une patrouille et reconnaître le secteur. Le secteur, là. En gros, vous laisserez le village sur votre droite, c'est la campagne qui m'intéresse. La campagne, c'est immense. On ne sait jamais ce qui se trame dans la campagne. Là, on voit que vous venez avec moi jusqu'au village. Si les Allemands y sont, il y aura forcément un peu de grabuge. Alors vous deux, vous attendez pas qu'on vienne. La première détonation, vous filez prévenir, capitaine. Et s'il n'y a pas d'Allemands? Vous attendez. On attend jusqu'à quand? Bon, alors disons un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, un quart d'heure de battement. On vous décrocher dans une heure. Allez, on y va. Là. Encore cette fois qu'on va tâter du bouffeur de choucroute, tu peux me croire. Oh, tiens, moi j'enlèverai bien mes grolles. J'ai jamais marché autant de ma vie. Oh. Mais tes grolles, tu les gardes? Si des fois qu'il faudrait des carrés en vitesse, tu vas pas courir pieds nus. Oh, tu parles. Pieds nus, je cours deux fois plus vite. Qu'on est bien heureux quand même, hein. Oh, regarde les blancs. On les tire. Et alors? Bon sang, il t'est arrivé quelque chose à Dorel. Ah,
je n'ai pas vu tes lèvres bouger. Alors je lis toute seule maintenant. Les autres se taisent. Hein. J'irai à I. Tu iras à S. Il ira à. Seconde. Courrier, monsieur Messonnier. Il a porté-le à ma femme. Oui, mais il y a une lettre pour monsieur Labarthe. Ah bon? Bon, tu recommences, Julie. Hein. Tu recommences à la première ligne. J'irai à I. Tu iras à S. Il ira à. Nous irons au NS. Nous. Vous irez EZ. Ils iront au NT. Mais c'est très bien, Julie. Tu viendras me demander un bon point à la sortie. C'est Rock. C'est le petit Rock. Tu sais, Rock. Il avait écrit sous l'argue. La poste a fait suivre. Une lettre qui a 2 mois. Tu vois un peu? 2 mois. Il va bien? Oui. Tu peux la lire. Il fait du cinéma aux armées. C'était un bon petit gars, un Rock. Il parle de la Champagne. Encore une qu'on a gagné la Champagne, mais il y a 2 mois, c'est joliment mal par là. Eh bien, il y était, Rock. J'ai gardé de vous un si bon souvenir que j'espère bien de vous revoir. Ainsi que M. Messonnier et sa dame, après cette sauvagerie qui n'a pas de nom. Tous les jours, ce sont des centaines de bons camarades qui tombent. Et pareil chez les Boches. Jeune opérateur, parce que je suis sergent, il faut dire, qui a compté sur une bobine ce qui avait l'air d'être mort. Il y en avait 140. Des leurs comme des nôtres. Et c'était seulement une moyenne attaque, dans un petit quartier. Et on n'a filmé que 4 minutes. Ne fais pas lire à Camille. Hein? Camille, non. Vous êtes demandé au CM2, monsieur le directeur. Il y a 2 colis. J'y vais. Si tu sors dans la cour, tu mets ton pardessus. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Vous venez pour le paquet, il y en a 2. Alors c'est coinché. Oh là là, on s'emmerde tellement que même les cartes, ça nous amuse plus. Ah bah surtout moi, ça fait bien 2 jours, j'en ai pas gagné une. Encore un colis pour monsieur Walter. Il vient d'un pays où l'on mange bien et beaucoup. Et l'autre? Heinzogar. Ah, des livres, je suppose. J'espère, des livres. Oh, mais vous faites des progrès, Heinz. Hat gesagt, du sprichst besser. Es ist normal für einen Instituteur. Das ist normal für einen Lehrer, nein? Ja. Bah, j'en profite pour aller pisser. Moi, je vais avec toi. Il suffit que j'entreprenne une chose et tu me suis. Ça m'a donné l'idée. Je suis aussi. Désolé, monsieur Walter, mais je dois la confisquer. Enfin, lisez-la d'abord, puis vous me la rendrez ensuite. Et je vous la rendrai lorsque vous nous quitterez. Geht zurück. Votre fiancé. Ein Verlobter, wirklich? Ja. Joli. Oh, hübsch, ja.
Un peu de calme. Son frère Karl, il est mort. Il a été tué sur la Meuse. 24 ans. C'est peut-être beau sur l'écran, mais ce qu'on dit pas, c'est à quel prix tout ça. Vous devriez avoir honte. On me dit rien que la vérité, ma petite dame. Ce que vous avez vu, là, moi, je me le suis payé, figurez-vous. Vous n'êtes pas le seul et ça n'est pas une raison. Excusez-moi, monsieur Dulâtre, mais votre ami est un peu défaitiste, non? Oh, mon cousin est assez. Il a son franc-parler, mademoiselle Messonnier. Mais c'est un héros. Oh, je t'en prie, Henri, pas de consté. Les héros, tu viens de les voir, là. Milliers. Pierdin, ma petite demoiselle, les héros, c'est devenu de la boue. Ce que vous avez vu, là, c'est de la boue de héros. Bonsoir. Mais chien, tu exagères, non, voyons. Allez, viens. Faut pas lui en vouloir, mademoiselle. Il a bu deux bières, alors. Au Cormier, aide-moi. Pourtant, vrai ce que je dis. Il y a trop de morts. Même les vivants sont morts, ma petite dame. Cormier, tu rêves ou quoi? Allez. Un peu, là. Mais lâchez-moi. Oh, mais calme-toi un peu. Je dois t'envoyer une livraison de camion. Je les prends à 3 heures, là, à la barrière de Pantin. Pour ça, je t'écrirai un petit mot. Moi qui traînais à faire mes courses. Ben dis donc, tu t'es mise au pinard, on dirait? Non. Enfin, c'est plutôt en cas. Mm-hmm. Tu en veux? À défaut de Porto, hein. Mais j'ai aussi. Ah. Alors, t'as quitté les bonnes sœurs? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la maison? Tu les as prévenus au moins? Écoute, Laurent, tu sais comment ça tourne avec papa? Il se fait un sans dents dès qu'il nous perd de vue. Bon, je veux bien pour papa. Mais maman, alors? Maman, 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 c'est papa. Écoute, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Mais je trouve que tu vas un peu fort. Tu as de nouveaux galons, non? Adjudant, oui. Adjudant-chef, même. Il y a quelque chose qui colle pas, Maripo. T'as quitté les sœurs, tu prends une chambre en ville, tu bois du Porto, tu t'achètes du vin en cas. Alors, qui est-ce? C'est Jacques! Non, mais t'es folle, non? Mais il est fou, lui aussi! Vous êtes fous, tous les deux, hein? Mais écoute, Maripo, il faut pas faire des trucs comme ça. Il peut arriver n'importe quoi. Dans 8 mois, je serai majeure et nous nous marierons, Jacques et moi. Bon, alors, dans 8 mois, mais tu peux pas attendre 8 mois, non? Mais l'an dernier, ça faisait pas 8 mois, cornichon! Parce que ça dure depuis l'an dernier. Heureusement, tu dois pas le voir trop souvent. L'armée aérienne, ils ont beaucoup de permissions. L'armée aérienne? Parce qu'il est aviateur, Jacques, maintenant? Alors lui, c'est vraiment un fantasque, là. On fait normal ensemble, on commence l'armée ensemble. Même caserne, même chambre.
La cavalerie demande des volontaires, j'ai jamais monté sur un canasson, hein. Mais il me plaque pour les dragons. Et maintenant, il fait le zouave là-haut. Mais c'est un instable. Il te plaquera. Et t'auras plus que les yeux pour pleurer. Méchant. Non, lucide. Je vais lui casser la gueule, moi. D'abord, qui t'a donné mon adresse? Qui, cette blague? Bah, la sœur concierge. Tourière, sœur Tourière. Tourière, sœur Tourière, si tu veux. Celle qui te fait suivre ton courrier dans un quartier, un drôle de quartier, oui. Avec des cafés, des théâtres. Mais des écoles, je travaille à côté. Ah, tout de même. École laïque de la rue Lozou. Laïque? Et ils t'ont accepté? Auxiliaire, mon brevet, suffit. Oh, c'est Jacques. Il est formidable. Il avait dit qu'il aurait du mal à venir cette semaine. C'est le type le plus formidable que je connaisse. Moi aussi. Mais je vais quand même lui casser la gueule. Laurent? Jacques. Plus pénible, c'est la crasse. La boue. L'odeur. Je sais. Jacques a abattu son sixième avion. Septième? Septième, le sixième, j'ai descendu ce matin. C'est pour ça que j'ai carte libre jusqu'à demain matin 10h. Alors aussitôt, le volant, et direction Marie-Pauline, et je te trouve. Allez, champagne. C'est ça la vraie différence. Pouvoir sortir quelques heures du bourbier. Je sais, petit père, mais attention. Avant l'escadrille, j'en ai tâté parce que le cheval, ça n'a pas duré longtemps, le cheval. 2 mois dada, et puis, pfft, démonté. Et alors là, tranché. Plus possible. Alors quand ils ont demandé des mécanos... Parce que t'es mécano, toi? Penses-tu, mais comme toi, ce que nous avait appris M. Patrice, 2 ou 3 principes de base. Il est culotté, hein. C'est drôle. Au début, on a d'abord fait les mêmes coins. Seulement moi, j'avais déjà la retraite dans les jambes. De Rethel à Vitry-le-François. Ça fait loin? Ouais. Toujours bien 100 km. Peut-être même 120. Avec les détours, les contre-marches. À pied? Et alors? Et avec tout le fourniment sur le dos? Et par une chaleur? Ah, la chaleur, tiens, j'avais oublié celle-là. Avec interdiction de boire au puits, hein. Et on crevait de soif. Maintenant, nous nous sommes installés dans l'enfer. On se dit que ça finira jamais. On fait des projets qui tiennent compte de la guerre comme d'une composante normale de la vie. Allez. Et je vous ai même pas dit. Je me marie. Quoi? Ben oui, c'est pour ça que je suis monté, moi, pour t'inviter. Toi, je pouvais pas savoir, hein, mais maintenant, l'invitation est faite. Comme ça, ça vous permettra de tout dire aux parents comme il faut. Mais tu te maries avec qui? Une demoiselle Vion. Ben, tu connais. Vion, elles sont 2 ou 3 filles et un garçon. Eh ben Yvette, la plus jolie. Elle a été ma marraine, on s'est écrit, et puis voilà quoi. Hein. La voie hiérarchique a donné son accord. Sauf coup dur, bien sûr. C'est pour le mois d'octobre. Si loin? Le fils était au 137e. Il a été tué le mois dernier à la ferme Thiaumont. Les parents ont demandé un délai raisonnable. Toi? Je voulais te casser la gueule. Là, je l'ai pas fait. Je préfère te souhaiter bonne chance. T'aurais pu m'en parler quand même. J'y ai pensé, sans arrêt. Tu m'aurais dit oui? Non. Sûrement non. Alors, je vous perdais tous les deux. Pour ça que... Je tâcherai de dire un petit mot pour toi, maman. Bon, allez, bah, faut que j'y aille. Bon Dieu, je resterai bien. Ouais. À Manos, hein, tu tâcheras d'annoncer la tienne.
Ah, ce qu'on s'aimait tous les deux, du mois de janvier jusqu'à la fin décembre. Nul ne sera jamais ce qu'on a été heureux, tout près du ciel, dans notre petite chambre. Ah, ce qu'on s'aimait tous les deux, dans la mansarde où tu fus ma maîtresse. Mais il est loin, le rêve bleu de ma jeunesse. Très bien. Ce serait plaisir, ce serait un petit bout de film avec Pétain. Je m'en ferais un agrandissement photographique. Je dois voir ça dans un coin. J'aime bien. Et Poincaré. Tu l'as, Poincaré? Maman pleure parce que c'est une chanson qu'André chantait souvent. Mon frère, je comprends. Bien, je veux voir toutes les assiettes par là, s'il vous plaît. Voilà. Ah, bien sûr. Ah oui, à l'occasion, si on pouvait en garder un peu pour les petits gars d'à côté, là, ça serait bien. Enfin, s'il en reste. Quel dommage que votre fiancé n'ait pas pu venir. Les aviateurs ont beaucoup de permissions, mais très courtes. Là, ça faisait vraiment trop loin pour venir. Bien sûr. Arthaud, directeur. Voilà, j'aurais aimé vous apporter un peu de champagne, mais... Merci. Le frère de la mariée a été tué au front. Il faut comprendre. C'est déjà très gentil de penser à nous. Das ist ehrlich von ihm, nein? Bon, je ne peux pas rester, tout va bien? Non, ça ne va pas bien, monsieur Messonnier. Mais ce n'est pas de ton faute. J'aurais vraiment préféré que tu restes chez les sœurs. Enfin, à tout le moins, tu aurais pu nous prévenir. Pour que vous fassiez du mauvais sang? Oh non. Les lettres, c'est tellement compliqué. Tandis que comme ça, vous m'avez vu. Vous êtes rassurée? J'ai pas l'air trop malheureuse? Tu es aussi pressée de nous quitter? Ne dis pas ça. Tu sais très bien que c'est pas vrai. C'est autre chose. S'il n'y avait pas Jacques... Tu le féliciteras pour moi? Pas. Une petite lettre? Entre deux combats aériens. Une petite lettre déclarant ses intentions? Mais ses intentions, je vous les ai dites. Je vous en supplie, arrêtez de vous disputer. Regarde-moi. Regarde-moi. Je reviendrai. Hein? Je sais. Personne ne m'aura. Je te jure que je reviendrai. Je te le jure. Ah.
suis pas tué là. À la prochaine attaque, j'ai une chance de passer officier. Ils tombent tous. Ah, regarde, j'ai commencé caporal, sergent, sergent-chef. Bah, je finis capitaine. C'est parce que tu es courageux. Mais non, c'est parce que je suis vivant. Les plus courageux, ils sont morts. Tu peux pas savoir, petite sœur. Je crois que je me suis marié pour avoir la perle. Ah, tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. Mais ça fait 2 ans que je me tais, moi. 2 ans qu'on crève de peur et qu'on la boucle. Lumière! Éteignez, mademoiselle! C'est un séjour, voyons. Bonsoir. Vous nous les amenez un peu tôt, madame Lambert. Vous les reprenez bien tard, hein? Dès que je peux, monsieur le directeur. En ce moment, à l'atelier, on fait des heures et des heures. Moi aussi, je fais des heures et des heures. Faut vous arranger, avec une voisine. Mais... Oui. Ah! Ah, mademoiselle Messonnier. Nous nous demandions si nous allions jamais vous revoir. Bonjour, monsieur Balin. Bonjour, mon petit, bonjour. Guère bonne mine, hein? J'ai voyagé toute la nuit. Ah. Bon, vous allez avoir de classe sur le dos. Eh oui, le jeune Cormier a été arrêté. Il distribuait des tracts défaitistes. Eh oui, ce petit salaud. Et Dulâtre n'est pas très clair non plus. La police l'a interrogé. Les syndicats. Tant qu'on n'aura pas fusillé les meneurs des syndicats... Bon, venez jusqu'au bureau, je vais vous donner les consignes pour la classe de Cormier. Ah, j'ai un courrier aussi pour vous. Ça n'a pas l'air bon, les télégrammes en ce moment. L'international. C'est la seule chance des peuples. Saper le moral militariste n'est pas une lâcheté, mais une obligation primordiale. Si nous voulons atteindre le but dont les plus humbles, et spécialement les poilus, tireront les plus grands bénéfices. Je comprends votre découragement. Je le comprends, mais je ne l'accepte pas. Ce qui a échoué à Zimmerwald, ce qui a échoué à Kiental, peut échouer encore à Stockholm ou ailleurs une fois, 10 fois, peu importe. Si au bout du compte, nous réussissons. Et nous réussirons. Mes collègues instituteurs, Brizard et Alexandre Blanc, d'ailleurs députés, vous le savez, ont déjà engagé. Attention, camarades, j'ai bien peur que nous ayons de la visite. Personne ne bouge. Je ne me cachais ni par peur ni par honte. Je me cachais afin de pouvoir tout distribuer. Je voulais être efficace. Vous croyez, c'est... stupidité.
tous les généraux sont d'accord avec Guillaume. Vous croyez? Nos généraux d'accord avec ça? Ceux qui font des obus sont des assassins. C'est pour tuer leurs frères, abat les patriotes, abat les lâches. Mais comment pouvez-vous expliquer de telles absurdités? Traiter de lâches ceux qui combattent et font l'admiration du monde. Et ça? Nous avons trouvé ça dans votre sac. Vous ne respectez donc rien? Vous les avez-vous volés pour quelle pitrerie? Ne touchez pas. Ceci est à mon fiancé. Votre fiancé? Oui, monsieur. Il a très bien travaillé. On lui a donné cette croix, vous voyez. 9 avions abattus. Il en a eu un 10e et il était dedans. Écoutez, mon petit. Il me reste de lui que ce bout de ruban et quelques lettres. Là, ce qu'a fait la guerre. À la place d'un homme, un bout de ruban et quelques lettres. Je suis pas juste. Il y a aussi un enfant. Là, il y a un petit enfant avec une croix. Mais pas de père. Le père, il est dans un avion. Quelque part. Quelque part. Madame, je peux y aller? Oui. Vous avez fait vite. La mairie n'est pas si loin. Il n'y a eu aucune difficulté? Non, aucune, sauf le troisième prénom, Florel, l'employé ne le connaissait pas. C'est un prénom du pays de papa, l'Aveyron. Je le trouve très joli. On ne peut pas être à tort quand on se prénomme Florel. J'aurais dû le mettre en premier. Jacques est plus moderne. Jacques Messonnier. Jacques, Louis, Florel. Messonnier. Je ne lui parlerai jamais de son père. Ne dites rien d'aussi définitif. Le temps passera. Les parents de votre fiancé se repentiront. J'en ferai un homme doux. Incivilisé. Dulâtre m'a écrit. Je vais avoir du travail. Oui, ma radiation de l'enseignement a scandalisé les camarades. Ils se sont débrouillés pour me trouver du travail. C'est magnifique. Mais quel travail? Les tramways. Vous allez conduire un tramway? Ah non, non. Nettoyeuse. Nettoyeuse de tramway. Cauchemar. Quel affreux cauchemar en si peu de temps. Mon fils qui n'aura pas de père. Le report est disparu. Paulin mort. Pépé Paulin mort au bord de la mer en photographiant des mouettes. Ces espèces de corbeaux blancs. La seule chose certaine, la seule bonne nouvelle, la seule assurance de bonheur, nous aurons la victoire. La victoire. Écoutez bien, les enfants. Vous n'oublierez jamais cette minute.
Elle marque le retour de la paix. Nous allons finir notre leçon. Nous parlions des arbres. Vous les connaissez, cette région en compte de magnifiques. Certains sont âgés de plusieurs siècles. Eh bien, cette journée est très importante pour eux et pour nous. Il faut des dizaines d'années pour faire un arbre qu'un seul obus fracasse en un instant. Des millions d'arbres viennent d'être foudroyés. Il faut aussi de nombreuses années pour faire un homme. Et une seule balle tue en un instant. Des millions d'hommes sont morts très jeunes pendant cette guerre. Eh bien, aujourd'hui, à partir de cette minute, tous les arbres, tous les hommes, vont retrouver des conditions normales de vie. Et c'est ça que chantent les cloches et les clairons. Ne renouvelez pas l'erreur de ceux qui vous ont précédé, dont je suis. Ne dites pas nous avons gagné cette guerre. D'autres enfants en face sauraient aussitôt qu'ils l'ont perdue et souhaiteraient leur revanche. Non, dites plutôt c'est fini. Fini. Voilà. Ce que vous allez dire chez vous est fêter avec vos familles. La fin de la peur. Allez, rentrez chez vous. Vous êtes libre. J'espère que ton papa entend tout ça. Qu'y a-t-il, monsieur Chamou? Toi qui sors le premier d'habitude. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Quoi donc? On l'a tout de même gagné. Mais oui, tu as gagné, allez, va. Oui, tu as gagné, mais n'oublie pas d'apprendre ta leçon pour demain. Thank you.
malgré la neige, il faut que j'y sois bientôt. Mais un jour je...